Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle review aujourd'hui sur un personnage de Batman Animated, enfin les nouvelles aventures de Batman. Et aujourd'hui je vous présente donc, comme vous le voyez, il s'agit de Catwoman. Voilà comment on se présente le packaging, comme à chaque fois. Hein, vous voyez, un peu cliqué dessus, voilà. Et ben, je vous dis à tout de suite pour la description et on voit un peu plus ce personnage. À tout de suite les amis. Et de retour les amis, donc voilà après le déballage de l'imprinting. Donc et je voulais vous montrer comme à chaque fois, hein, il nous montre un plan, savoir comment mettre le personnage sur son socle d'origine. Là il vous montre comme quoi bah, apparemment il n'y a que les mains à changer, et c'est le cas, hein, il n'y a que les mains à changer, donc voilà. Après dans la collection donc de Batman et Batman les nouvelles aventures, donc nous avons automatiquement le Batwing que j'ai déjà, le version de Joker version Noël que je n'ai pas. Le Biyoon avec donc justement quand il était plus jeune Bruce Wayne, mais j'aimerais l'acquérir, mais il coûte vraiment très 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 cher à trouver à l'heure actuelle. Ensuite, le Batman pack extension, c'est celui qui me manque et que j'espère avoir un jour. Bon, bah, Catwoman et le Riddler. Voilà, les amis. Donc, on va commencer à vous présenter le personnage. Donc, déjà, pour ceux qui ont déjà reconnu, hein, encore son chat. Voilà, vous la reconnaissez. On va dire, pour ceux qui me connaissent, c'est une deuxième Sydney version plus petite. Donc là, je continue de regarder. La tête bouge, mais très très durement. Les pattes, c'est pareil, en avant, en arrière. La queue aussi, mais comment vous dire, c'est super rigide, donc je pense fragile, peut-être avec les années, allez savoir. Et maintenant, nous allons voir le personnage principal de Catwoman, les amis. Donc voilà. Voilà. Pour rougir de plaisir. Alors, comme je vous ai déjà dit sur les précédentes vidéos, bon, elle est bien modélisée, vous voyez bien, on peut faire le grand écart largement. Le buste, par contre, comme vous voyez, est moulé en un seul bloc, donc impossible de pouvoir faire à droite à gauche. La tête, c'est pareil, un peu en bas, un peu en haut. Bon, après, 360 degrés, nickel. Par contre, les articulations au niveau des bras, vous voyez, c'est très 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 rigide. Donc, j'espère que ce ne sera pas du plastique qui va dire, se désagréger avec les années. Hein, on a fait la pointe. Voilà. Donc, très 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 fin. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ben, la collection continue à évoluer et à augmenter. Voilà, comme vous voyez. Hop là, voilà les amis. Que dire pour terminer cette vidéo? Je voulais remercier celles et ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Nous sommes de plus en plus nombreux à être sur ma chaîne et je vous en remercie. Les 500 abonnés sont dépassés et bien dépassés. Donc merci à vous. J'espère que ce que je vous fait plaisir. J'ai encore d'autres choses à faire bientôt que je vais poster sur ma chaîne. Soyez donc vigilants et prêts à avoir bien cliqué sur la cloche pour être averti aux prochaines vidéos. Je remercie aussi celles et ceux aussi aux commentaires des précédentes vidéos hein, que j'ai faites. Et ben, je remercie comme d'habitude les anciens et ceux qui me suivent depuis le début, depuis pratiquement plus de 3 ans maintenant. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, restez chez vous surtout, vu ce qu'on a en ce moment. Et moi-même, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, batte qui peut te battre. Ciao les amis!